dans l'historique de papa. C'est quoi une MILF? Ça, c'est quelque chose que Marie-Mé est devenue dernièrement. Oh, God. C'est quoi une MILF? C'est une belle madame usagée. Non, mais ça peut être très beau, les choses usagées. C'est... Un slogan honnête pour un festival de musique country. Les dents sont vendues séparément. Un slogan honnête pour un festival de musique country. Venez avec toute votre famille, puis avec votre mère, puis votre sœur, qui sera honnête en même temps, votre blonde, puis votre fille. Quel serait un slogan honnête pour un festival de musique country? Le seul endroit où on respecte les animaux en étant toutes vêtues de cuir. Guylaine, un slogan honnête pour un festival de musique country? C'est l'endroit idéal pour les chanteurs pop en quête de succès. C'est même pour certains humoristes à court d'idées, hein, Réal? Et avant de donner le piment, j'aimerais ça, parce que toi, tu yodules très, très bien. Ça m'arrive. Je me demande si, comme toi, Réal, es-tu capable de yodeler? Yodeloti! Ça? Ouais, ça, c'est plus suisse. Hein? Guylaine, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous donner un petit exemple de yodel? Oui. Avec plaisir! Chose qu'on ne vit qu'une seule fois. Une saison de votre beau programme. Aïe, aïe, aïe. Chose qu'on ne vit qu'une seule fois. L'émission Boutique MC Gilles. Une chose qu'on ne vit qu'une seule fois. Le mariage. Ah non, ça marche pas, Normand. Hein? Le mariage. Moment de jouer au Canard Bourgeois! Oui! Je vous donne un type d'entreprise et vous me faites le pire jeu de mots pour son nom. Comme par exemple, le pire nom pour un plombier, ce serait chez Martin Drainville. OK, le pire nom pour un concessionnaire automobile. Mon pneu a pogné un Fiat. Le pire nom pour un concessionnaire automobile. Nissan, mes doigts. OK. Le pire nom pour un concessionnaire automobile. M'as-tu traité de grosse Porsche? OK. Le pire jeu de mots pour une érablière. Érablière, érable de demain, érable le mois prochain. Érable quand tu veux. Le pire jeu de mots pour une érablière. Chez Robert de Siro. Le pire nom pour une érablière. Crétons ça si c'est beau. Le pire nom pour un magasin de jeux vidéo. Chez Sylvain Cassette. Le pire nom pour un magasin de jeux vidéo. Nintendolorama. Le pire nom pour un magasin de jeux vidéo. Manette Workman. Le
Le pire jeu de mots pour un centre de tennis. Chez Smasha Grenon. Le pire nom pour un magasin. Un centre de tennis. Filet y penser avant. Le pire nom pour un centre de tennis. Au gros tennis dur. Le pire nom pour un salon de beauté. Épile Proucloutier. Le pire nom pour un salon de beauté. Ça varisse de faire mal. Le pire nom pour un salon de beauté. Si t'aimes le cul, texte-moi. OK, rapidement, rapidement. Le pire jeu de mots pour une lunetterie. Est-ce qu'ils sont bons? Ça m'en oculaire. Le pire nom pour une lunetterie. Lunetterie New Look. Ah non, ça existe! Le pire nom pour une lunetterie. Deux yeux bacon. Ah, le pire nom pour une lunetterie.